la main, s'il vous plaît. Chacun va prier. On se tient debout. Nous allons prier et demander la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Commence à prier. Demande la grâce de Dieu. On prie, on prie, on prie. Demandez la manifestation de la puissance de ton Dieu. Demande la manifestation de la puissance de ton Dieu. On prie. Je vais tout le monde prier. Tout le monde prie. Vous commencez à parler et demander à l'Éternel de t'aider. Commencez à parler et demandez au Seigneur de faire grâce. Hein? Commencez à parler et dire au Seigneur, Seigneur, bénis-moi, fais-moi la grâce, Seigneur notre Dieu. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Tu vas la libérer par la puissance et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande aux esprits au nom puissant de Jésus.
Merci notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Comme de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je colore au nom puissant de Jésus. Je libère sa vie au nom de Jésus. Colore. Voici un bien-aimé qu'ils ont programmé dans un esprit, l'esprit de mort et dans l'accident. Seigneur, merci pour ta grâce sur le libère. Monsieur, laissez-la. D'accord, monsieur. Je chasse l'esprit. Je commande. Lâche-le. Au nom de Jésus, tu libères sa vie. Tu m'entends? Tu libères sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Je voulais la tuer.
rien même ces jours-ci. Je lui ai donné l'AVC. Je vous l'ai donné l'AVC. Non, je ne la laisserai jamais. Je ne la laisserai jamais. Pourquoi? Je suis dans son ventre. Pourquoi? C'est moi qui gonfle son ventre. Pourquoi tu ne veux pas la laisser? Parce qu'elle m'a laissé tomber. Elle m'a abandonné. C'est une femme que j'ai épousée. Oui. Tu l'as épousée, elle t'a laissé. Alors laisse, on est, il a un gourmet. 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 Tu l'as. Tu. Elle t'a fui ou bien il y a un divorce, c'est ça? Elle t'a fui. Oui. Elle t'a fui. Oui. Donc tu ne digères pas. Oui. Elle m'a jamais aimé depuis le premier jour. Elle t'a jamais aimé. J'ai couru derrière cette femme pendant 3 années. Elle ne voulait pas de moi. Oh, on dit qu'elle a fait droit dans son trompe orgueilleuse. Je vais la tuer. Parce que c'est mon héritage. Je vais la tuer, je te dis. Je vais la tuer. La maladie qu'elle a actuellement, c'est moi. Elle n'est pas malade. Je lui ai donné la torsion. Comment tu as envoyé la maladie dans sa vie? Mystique. Mystiquement, hein? Vous voyez, donc, il peut avoir des voix, il peut avoir des choses mystiques qui peuvent nous arriver, d'accord? Est-ce que tu es normal ce que tu as fait? Est-ce que comment tu peux donner une maladie? Vous êtes séparés? Tu n'as jamais digéré, c'est ça? Jamais. 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 J'ai bloqué tous ces enfants. J'avais dit qu'elle ne se marierait plus jamais. Parce qu'elle m'a fouillé, elle m'a abandonné. Elle m'a abandonné. Je lui ai tout donné. Mais elle m'a abandonné. Elle ne m'aimait pas. Elle ne m'aimait pas. Je voulais tuer sa mère. Est-ce que je peux savoir? Je voulais tuer aussi sa mère. Comment elle t'a quitté? Comment elle t'a quitté? Je ne sais pas. Elle a pris ou bien il y a eu un divorce? Je n'ai rien pris. Elle n'a rien pris. Mm-hmm. Pour dire la vérité, elle n'a rien pris. Elle est sortie, c'est elle sort. Mais je l'aimais encore. Oui, mais elle a pris sans te dire ou bien il y a eu la bagarre, il y a eu quoi? Non. 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 Elle te l'a dit ouvertement qu'elle ne t'avait plus, qu'elle partait. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle est partie. Mm-hmm. Elle est partie. Et toi, tu n'as pas digéré? Oui. Et depuis lors, tu l'as poursuivi, c'est ça? C'est ça. Mystiquement poursuivi. Oui, c'est ça. Ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je sais ce qu'elle avait dans sa vie. 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 Elle avait quoi? Non, je ne te dis pas. Mais si, tu vas dire. Je ne te dis pas. Oui, mais tu vas dire. Je ne te dis pas. Non, la je ne te dis pas. Non, la vie de savoir. Tu dois me dire. C'est une appelée. Elle a une très grande rosse. Je savais qu'elle avait. Qu'elle allait me bénir. Qu'elle allait bénir toute ma famille. Qu'elle allait me sortir de la sorcellerie. Je suis son mari. Je suis sorcier. Je suis sorcier. Je voulais la tuer. Elle a une très grande étoile. Bon, aujourd'hui, là. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte sa vie. Voilà. Je te commande par la puissance qui est au nom de Jésus. Bah! Avec la maladie. Bah! Dégage! Et tu restitues tout ce que tu as volé dans le nom de Jésus. Bah! Feu! Libère! Au nom de Jésus, lâche-toi.
Lâche-la, tu m'attends? Lâche. Aïe. Voilà, va. Sors. Oui. Va-t'en. Elle est libérée au nom de Jésus. Je libère ton ventre, je libère ton ventre par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Libère ton ventre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Il comprend plus rien. Hein? Il voit plus rien. Ouais. Dégage. Si notre frère est en train de mourir, ah oui, j'allais le perdre. Parce que là, ça a déclenché des choses. Il est en train de mourir. À la sorcellerie, il est rempli, c'est lui, c'est ça. Quoi? Lunettes. Lâchez son âme. Vous comprenez? Libérez son âme.
Audin, j'aime bien te voir l'œuvre. Voilà, c'est travaillé. Mettez-vous dedans, impliquez-vous, c'est l'œuvre de Dieu. La puissance de Dieu. Les sorciers ont trouvé un taureau, il y avait un bon bœuf pour manger. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci de me libérer. Merci de me libérer. Au nom de Jésus, le Seigneur est ainsi.
Alors, je vois comme dans son œil, c'est comme il est une balle à partir de là. C'est mystique. Et puis, tous tes pieds, il y a des soucis. C'est ça? Oui, tout ton corps. Il faut mettre la première écouter. D'accord. Je t'ai pas demandé qui fait quoi. D'accord. Je suis maréchal, d'accord. Amen. Bonjour, papa. Vous voyez, ce que tu dis, garder la petite à côté. D'accord. Il faut la mettre, garder la juste à côté. D'accord. Qu'est-ce qu'on n'arrivait pas à faire? J'ai des vertiges. J'ai beaucoup de vertiges, je suis toujours au lit tout le temps. Je ne bouge pas, tout mon corps il fait marcher, tout mon dos, je ne marche pas bien. Ah mais aujourd'hui tu vas marcher. Amen. 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 Amen papa. Amen. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Je suis triste, j'ai envie de mourir. Oh, ça c'est ce qui se passe. Et quel est le mouvement que tu n'arrives même pas à faire? J'ai travaillé avant, mais est-ce qu'elle comprend ce que je dis? Parce qu'elle ne saisit pas. Oui, j'ai compris. Non, tu n'as pas compris. Je n'ai pas à marcher. Pendant combien de temps? Ça fait 4 ans maintenant. Non, tu ne peux pas marcher combien de temps? Je marche 5 minutes, c'est trop. Avant? Oui. Ok, suivant. Alors, avec une vitesse. Alors. Non, laissez-la. Va. Cours. Reviens. Comme une gazelle. Voilà. Vas-y, va vers le podium. D'accord? Va vers le podium. Répare. Tu touches le mur et tu reviens vers ici. Voilà, reviens. Plus fort, reviens. Tu n'avais jamais fait ça? Non. Qui te témoignait? Qui est venu à toi qui sait que tu ne peux pas trop courir? Le blanc là? Ça va monsieur? Le blanc. Comment vous? Vous aimez bien votre femme? Hein? Alors, qu'est-ce qu'elle n'arrivait pas à faire? Elle avait beaucoup de difficultés, surtout dans cette période du mois de mai et juin, si on est quoi, elle est bloquée au lit. Elle ne fait pas de mouvement. Fibromyalgie, acouphène, le douleur handicapante, elle reste au lit la journée pratiquement, des difficultés, des mauvais rêves. D'accord. Voilà, des visites dans les rêves. Dans les rêves, les articulations. Voilà. D'accord. Alors, ça, il t'en dit ça pourquoi on ne voit pas? Comme ça. Non, ça c'est mes journées. Comme ça. Amen. Je me jamais comme ça. Tu sais que Dieu te guérit maintenant. La puissance de l'onction physique en elle, la puissance de l'onction physique en elle, la puissance de l'onction physique en elle, depuis la tête jusqu'à les plans de tes pieds, et que la puissance de l'onction, la puissance de l'onction, la puissance de l'onction. Libérez son sang, libérez sa chair, libérez ses os. L'ensemble de Dieu visite son air, la gloire de Dieu se manifeste, la puissance de Dieu se manifeste et la gloire de Dieu. Maintenant, je te déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ, libéré au nom de Jésus-Christ. Je proclame et ta guérison dans le nom de Jésus. Lève-toi. Comment t'appelles? Lève-toi. À part, tu n'avais pas, tu ne courais pas, il y a quoi encore que tu faisais pas? J'ai des vertiges. Hein? J'ai beaucoup de vertiges, je ne peux pas aller au marché. Quand il y a beaucoup de gens, je ne peux pas supporter des gens. Ah, ici il y a beaucoup de gens. Oui,
Alors, mets-toi là. Donc, je vais faire l'expérience. Alors, donc, quand tu vois les gens, oui. Normalement, quand tu vas au marché comme ça, oui. Tu as des vertiges. Oui. Pourquoi? Ça me dérange beaucoup. Il y a des choses qui me dérangent. Quand je commence à rester comme ça avec les gens, et je suis contente toujours. Quand je suis contente après, je suis triste, j'ai envie de mourir. Je n'ai pas envie de rester. Du coup, quand je reste toujours à la maison pour éviter beaucoup de gens. Bon, aujourd'hui, Dieu, Jésus t'a délivré. Amen. Alors, je le dis avec toi et j'y crois. D'accord ? On parle de toi. Ok. Dieu t'a pas créé comme ça. Il y a des détails dans lesquels je ne rentrerai pas, d'accord? Qu'on va se voir en privé, on va parler, d'accord? On en parlera tout de suite. On va parler plus de ta délivrance. Alors, quand tu vois les gens, qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux. Un peu. Oui, ça va mieux. Mais sinon, je ne. Alors, donc, vas-y un peu, rapproche-toi. Pose ton cache-nez, pose ton cache-nez. Pose ton masque. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Oui, oui. Est-ce qu'on peut acclamer juste? Tout va bien. Allez, rapproche-toi encore. Rapproche-toi un peu. Oui. Comment est-ce que tu sens? Je me sens qu'en famille, tout va bien. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Oui, tout va bien. Encore. On va, moi, j'aime bien tout. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Comment tu fais ça? Ah, ça va, comment ça va? Tu es content? Oui, tu es bien content? Oui, tu sais pas préparer quelle sauce? Aïe! Tu connais son grec? Bon, on va parler de son grec. On met quoi dans la sauce grecque? On met la viande. Très bien. Bon, et nous qui mangeons poisson, on fait comment? On met aussi la poisson. Quel genre de poisson? Tilapie, poisson sec. Non, c'est bruché. Pourquoi bruché? On a pas de faire marcher déjà. Je ne connais pas beaucoup les gens de poisson. Oui, mais je te dis brochet. Oui. Bon, par exemple, tu as acheté brochet, tu fais quoi? Je le grille dans les coups. Ah, il faut griller d'abord. Oui, je mets dans les coups. Bon, nous qui n'avons pas grillé, on fait comme on met dedans direct. On met dedans aussi. Ouais, dans la sauce. D'accord. Et on met quoi? Après, on peut mettre l'estomaco. C'est quoi là? Tout le ventre. Je sais pas. C'est quoi l'estomaco? C'est quoi l'estomaco? Les tripes. Bon, nous, laisse-nous pour les tripes. Nous, on ne connaît pas les tripes. Voilà. Laisse-nous pour les poissons là. Pour nous, c'est les poissons. On peut mettre beaucoup de choses. Quelle chose? C'est en fonction de la personne. Bon, moi. Vous voulez mettre poisson? Et Doumbé. Oui, Doumbé, oui. Tu connais Doumbé? Oui, parce que j'ai un peu. Ah bon, donc, on met Doumbé dedans. Et puis, on met quoi après? Je suis en train de la faire parler pour voir si le vertige va revenir. Généralement, comme ça, quand une personne est envoûtée, qu'elle parle beaucoup, qu'elle finit de bavarder, les choses me chantent de tester la guérison et la délivrance. Oui. Ben, tu mets du sel. Déjà. L'angine. Tu es pressé pour plus vite. Voilà. Vite, vite, non? Oui. Et puis, il y a un copain, c'est quoi? Sel, l'angine. Non, quand c'est cuit, je mange quoi après? Goutou. Oui. Mais placali, c'est comment? Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire placali. On acclame le Seigneur. Allez, va, tout vite. Thank you.
Les sorciers voulaient m'enterrer et Jésus n'a pas voulu. Amen. Les sorciers ne voulaient pas que je vive. Amen. Les sorciers voulaient me paralyser et Jésus n'a pas voulu. Amen. C'est pour ça qu'il dit, aïe, c'est pour ça qu'il dit merci. S'il y a quelque chose, je ne sais pas. Je ne peux pas donner, ça n'a pas le prix, ce qu'il a fait pour moi. Amen. C'est la sensation de la chanson. Amen. Aïe, Jésus, je vous au son du bébé. Bébé. C'est de ma région. Et je vous apprends que vous savez bien danser. Non, moi je l'ai dit, je confuse. Je ne sais pas où vous avez appris, mais vous dansez bien. Merci. Sérieux, hein, monsieur sérieux. Parce que vous avez sauté comme ça et voilà. Il aime bien danser avec bébé. Vous dansez bien le bébé. Vous avez appris ça? Vous avez quelle ethnie? On est beaucoup dans. Mais le monsieur danse le bébé. Vous avez appris ça? Je suis noir. Hein? Je suis noir. Non, tu es blanc, mais noir d'esprit. Voilà. Voilà, tu n'en veux pas me dire noir. C'est ton esprit qui est noir. Tu n'en pas quoi les blancs. Mais vous dansez bien. Merci. D'accord? Alors, on va vous demander. De nous donner un autre pas de danse. Alors ils vont. Non, c'est très bien le faire, ne vous inquiétez pas. Et on va essayer de voir, parce que comme vous êtes noir, on a l'impression que vous maîtrisez beaucoup de choses. D'accord?
appelle ça la dent du salut. Voilà, ça ce n'est pas la danse du salut. Ça veut dire que vous avez de l'air en vous. Vous dansez très bien. Tout à l'heure, ceux qui doivent rester après la réception, restez pour qu'on puisse s'occuper de vous. Parce que désormais, à 18h30, c'est fini. D'accord? C'est comme ça. On va maintenant finir comme ça. Et maintenant, ceux qui veulent la réception, ceux qui ont besoin des cours, ça c'est juste après. Mais il faut finir. On entend les boucles avec le but. Merci, le service de prospérité. Je vous ai pas aujourd'hui les pieds verts. Vous m'avez habitué au petit cadeau aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Le corona va aller ça. Ça va venir, papa, c'est en route. Ça va quand même venir, pourquoi corona va aller? Ça arrive, ça arrive. Ce sont des habitudes, ne négligez pas ça. Alors, comment vous vous sentez? Je me sens très, très bien. Alors, on peut acclamer le Seigneur. Bien, bien.
Enfin, c'est votre fiancé. Oui, mais vous êtes ensemble. Oui. D'accord. Vous êtes ensemble. Alors, elle avait quoi? Qu'est-ce que... Je vais être bref parce que moi je suis malade. Oui, d'accord, vous êtes bref. Donc vous avez... Tu vous as dû le sentir. Dieu est quand même, parce que la famille, ça fait des années qu'elle galère, je vais parler de mon sein. Donc, d'accord. On se connaît depuis 3 ans. D'accord. Mais ça fait des années qu'elle galère et qu'elle a travaillé. Et si elle en est là aujourd'hui, c'est qu'elle a prié. Elle s'est battue, elle a tout. D'accord. J'ai un âge chacun. D'accord. Je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. Quand j'ai eu une éducation religieuse depuis maintenant en France, je n'ai jamais rencontré une personne aussi spirituelle de ma vie avant de rencontrer quelqu'un. D'accord. Et si elle est arrivée à se battre contre le mal par rapport à son analyse, d'accord, c'est que vraiment elle s'est rapprochée de Dieu, elle est très forte. D'accord. Ça peut être, elle est sur ses gardes, elle se met en boule, et quand elle se lève, elle le ferait fuir une armée. Mais elle a souffert, la boule a exterminé par sa famille, par tous les biens. Et aujourd'hui, elle a fait des voyages, elle s'en finit avec des rituels. D'accord. Parce qu'il n'y a que là-bas qu'on peut soigner, je ne t'apprends rien peut-être parce que j'apprends les choses. Alors, maintenant, elle est venue, qu'est-ce que vous avez remarqué maintenant? C'est ce que je veux savoir. Ça dit qu'on a prié pour elle. Vous êtes venu avec elle dans un état, d'accord? Maintenant, elle dit qu'elle se sent bien. Qu'est-ce que est votre impression? C'est trop tôt, je m'excuse. D'accord, je suis d'accord. C'est l'avenir qui va nous dire. Oui, je suis d'accord avec... Je suis sûr que je... Non, c'est... Je suis pas suivi, je suis adapté, mais ça suit. Moi, j'étais un peu endormi, tout ça, mais comme je suis curieux, ouvert, Alors, moi, je vous informe qu'elle est guérie. Moi, je vous informe. Merci. Voilà, merci. Je vous informe, je vous donne cette information qu'elle est délivrée. Il n'y a pas eu de rituel, on a seulement pu prier. Et le nom de Jésus-Christ vient de libérer cette femme de cette chair de douleur. Merci pour vos amis de valeur, la chair de fou. Alors, ça finit. Vous reviendrez ici pour un témoignage, ça, je vous le dis. C'est fini. Nous sommes à Grenoble, on est, nous sommes par côté. Ah, c'est votre maman écrit là? Oui, c'est moi Guy. Ah, Guy Mignonnet. 4 millions. Ah, on m'avait écrit pour dire, il m'a dit, c'est déplacé. Il dit non, c'est déplacé pas, venez chez nous. Oui, c'est vrai. Si vous venez ici, vous allez m'aider. Si on peut aider à la cause, nous le ferons volontiers. Oh, mais il n'y a pas de souci. Elle vient d'expérimenter quelque chose et sa foi. Le fait même qu'elle se déplace, qu'elle soit ici, elle a été totalement délivrée de leur faire dire. Merci. Voilà, allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je peux te le dire avec ma modestie, que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il fait tellement chaud que j'ai l'impression que l'air vient dans mes narines. On dit amen. Amen. Voilà, comme on l'a dit, on a toujours en train de respecter l'heure. Coupe la caméra, s'il te plaît. Aidez-le à couper le, la caméra. Voilà. Désormais, c'est à partir de 15-14 heures, nous finissons au plus grand à 18h30.